Alors, hello, coucou les filles. Ah, j'étais en train d'inviter un max de personnes, je fais par ordre alphabétique, donc j'ai pas invité tout le monde, mais j'ai essayé d'inviter certaines personnes. Coucou Sandra, coucou Kini. Salut Sylvana, coucou Lisa. Coucou Marion, salut Leslie, hello hello. Oui? J'étais concentrée à inviter tout le monde. Donc, on va commencer. J'espère que vous avez vu mon petit message. Finalement, je ne pouvais pas faire mon live à 18h30 parce que bah, je suis allée à la poste à pied avec une copine pour poster des colis YouYou. Et voilà. Coucou Cathy! Donc, moi ce soir, alors, ou aujourd'hui, enfin on est en fin d'après-midi en France, je vais vous faire en fait une formation, entre guillemets, sur le rôle de la marraine. Donc, l'objectif en fait de cette formation, c'est de redéfinir un petit peu ensemble quel est le rôle d'une marraine et surtout, quand on va recruter une filleule, qu'est-ce que notre filleule peut attendre de nous? En fait, c'est une formation qui va parler de la marraine et de la filleule. Donc, une marraine, je vais mettre en lien en fait la filleule et la marraine. Une marraine, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle aide sa filleule, qu'elle l'accompagne, qu'elle l'oriente, qu'elle fasse le lien entre sa filleule et unique entre sa filleule et ses autres filleules, entre sa filleule, les équipes, etc. Et qu'elle soit là aussi pour temporiser en cas de problème, en cas d'incompréhension, etc. Elle est là, la marraine, pour former sa filleule. Elle est là pour l'encourager et la féliciter. La marraine, on va attendre beaucoup d'elle, mais elle n'est pas là pour faire à la place de sa filleule. Ça, c'est important. Il y a souvent des filles qu'on recrute et qui s'attendent vraiment à ce qu'on fasse tout pour elles. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que quand vous décidez de démarrer chez Unique, eh ben vous décidez de créer votre propre entreprise. Donc forcément, il va falloir s'autonomiser. Et en fait, votre marraine, c'est votre béquille. C'est pas votre marraine qui fait et vous qui regardez ce qu'elle fait. En fait, c'est votre béquille. Elle est là. Elle va vous aider à avancer. Elle va vous accompagner, mais elle va pas faire à la place d'eux. Donc la marraine, on attend d'elle qu'elle soit disponible. Donc qu'elle réponde à vos questions, qu'elle soit à l'écoute. On attend d'elle qu'elle soit toujours positive. C'est très important en tant que marraine. On doit toujours retransmettre à notre équipe et à nos filleuls, aux filleuls de nos filleuls, etc., du positif. Si sur votre groupe de cercle, vous allez dire Oh putain, j'en peux plus, cette vie de merde, j'ai envie de crever. Enfin, si on dit comme ça, c'est un peu drôle, mais si on est toujours en train de se plaindre, si rien ne va jamais, on va transmettre à nos équipes ce sentiment que rien ne va jamais en fait. Les sentiments négatifs, la tristesse, la colère, les choses négatives, ça engendre des choses négatives. Donc il faut enlever tout ça, même si vous êtes à bout. Moi des fois je m'embrouille avec mon mari avant de commencer un live, c'est horrible parce qu'il faut que j'arrive à me recentrer sur moi. Parce que j'ai envie de tout dégommer. Des fois, finalement, je suis obligée de reporter parce que je suis à bout de nerfs. Et je ne peux pas être à bout de nerfs en live. Et je ne peux pas non plus être à bout de nerfs devant mes filleuls. Parce que mes filleuls, il faut que je sois leur exemple. Être un exemple, c'est être toujours positive. Et ça, c'est très important. Il faut être aussi, quand on est une marraine, il faut être pédagogue. Il faut essayer de ne pas heurter les autres quand on s'exprime. C'est pas forcément facile, mais c'est important d'essayer d'être pédagogue et d'essayer de trouver des façons un peu ludiques d'expliquer ou d'apprendre les choses aux filles. Le rôle aussi de la marraine, c'est de soutenir. On est là pour encourager, pour soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans une entreprise, dans une vie. Il y a une partie de nos vies, en fait, qui se mettent ensemble quand on est chez Unique. On a notre famille Unique et quelque part, on a besoin de soutien. Donc, par exemple, les aléas de la vie qui n'ont rien à voir avec l'entreprise Unique, eh ben, votre marraine, elle va être là aussi pour vous. Et c'est ça qui est bien juste pour dire, je suis là, je te vois et je te comprends et je te soutiens. Et ça, c'est très important. Quand on vit des choses difficiles dans la vie et qu'on est chez Unique, eh ben, en fait, on n'est jamais seul. Et ça fait beaucoup d'entre nous ont eu l'opportunité de s'en rendre compte, malheureusement. Mais quelque part, c'est une vraie force. On a une force d'un groupe de solidarité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi entretenir. Et c'est aussi le rôle de la marraine de le transmettre à ses filleules.
il faut être capable de s'adapter à sa filleule. C'est-à-dire que on va recruter une personne. Moi, je suis une fonceuse. Si je recrute une fille qui est une fonceuse, ben, je vais la booster à mort, je vais lui faire des défis, je vais la pousser, tout ça, ça va très bien marcher. Si je recrute une fille dans mon équipe, il y a des filles qui ne sont pas des fonceuses et qui ont besoin, surtout qu'on ne leur mette pas la pression, qui ne supportent pas qu'on leur mette la pression. Et ben, c'est important d'être capable de s'adapter à nos filleules. En tant que marraine, on doit ne pas pousser une filleule qui ne veut pas être poussée, l'accompagner à son rythme, lui dire « Coucou, je suis là, est-ce que tu as besoin de moi? Où t'en es? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ?» Non, tu préfères être tranquille, tu es autonome, et ben c'est parfait. On s'adapte avec chacune. Elles n'ont pas forcément besoin de nous, c'est pas notre nouveau-né, elles sont pas au sein, on les allaite pas. Nos filleules, c'est des personnes adultes qui sont là pour leur propre intérêt, leur intérêt personnel, et qui vont se développer leur entreprise d'une façon assez rapide et à l'image qu'elles souhaitent chacune. Coucou Mélissa, coucou Stéphanie. Ensuite, il faut aussi, dans ce qu'une marraine doit être, elle doit être capable de communiquer. La communication, c'est très important. La communication, c'est, on dit que des choses positives, il faut essayer de tourner chaque phrase, ça c'est des lois de communication universelles. On essaye de pas utiliser le « ne pas », on essaye de ne pas, là je suis en train, donc on essaye d'utiliser des termes positifs dans nos phrases, on essaye de tourner nos phrases de façon positive. Mon verre n'est pas à moitié plein, mon verre est à moitié vide, et on essaye d'utiliser le « je ressens cela quand tu me dis ça ». Quand tu réagis comme ça, je ressens ça. Il faut essayer de pas envoyer des choses dans la face de notre filleule. Ça, c'est important. On n'est pas là ni pour culpabiliser, ni pour accuser. Et ça, dans les relations, dans la communication, c'est important de toujours utiliser le « je » dans le sens, pas dans le sens où je m'intéresse qu'à moi, mais si on a un reproche à faire, on va pas dire « je te reproche ça », on va plutôt dire « tu as fait ça ». Et je me suis sentie inutile, je sais pas, les choses qu'on a pu ressentir. Arriver à exprimer ses sentiments, arriver à exprimer les choses de façon plus positive, c'est important au niveau de la communication dans les équipes. Ensuite, voilà, la marraine, il faut qu'elle arrive à installer une relation de confiance avec sa filleule. C'est un vrai travail. Il faut s'intéresser à sa filleule, ça c'est très important. Si on ne s'intéresse pas à notre filleule, la collaboration ne va pas fonctionner. Il faut s'intéresser à nos recrues, à nos filleules, c'est très important. Et le rôle de la marraine, bah, ça va être bien évidemment de former son équipe. Ça c'est très 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 important. Et du coup de se former. Quand on commence à avoir des filleules, on doit se former parce qu'on va transmettre des choses. Alors, ce qu'on va transmettre à nos filleules ou à notre équipe, ça va être des choses qui nous sont propres aussi, ça va être selon notre personnalité. En tant que marraine, on ne peut pas être parfaite et on ne connaît pas tout, et on commence à recruter très vite dans notre entreprise, donc on va transmettre ce qu'on peut transmettre. Moi, par exemple, ce que j'arrive bien à transmettre, c'est la motivation. C'est bizarre de dire ça, mais moi, j'arrive bien... Enfin, après, elles sont pas forcément toutes toujours motivées, les filles de mon équipe, parce qu'aussi, la vie évolue, etc. Mais moi, ce que j'arrive bien à transmettre, c'est plutôt les choses positives, même si je suis au fond, je suis quelqu'un d'assez noir, et unique, et ben, ça m'a enlevé tout ce noir que j'ai en moi, vraiment, vraiment. Et c'est ça, moi, que je veux transmettre aux filles de mon équipe ou à mes filleules. Et c'est les valeurs les plus importantes de chez Unique qu'on va transmettre à nos filleules, qui elles-mêmes vont les transmettre à leurs filleules. Et tout ça, c'est ce qui va faire bah, qu'on a cette famille Unique qui fait qu'on est en sécurité. En sécurité, effectivement, on est en sécurité. Donc la filleule, elle de son côté aussi, elle a un rôle à jouer en tant que filleule, et on l'est toutes, même quand on est leader, on est la filleule de quelqu'un. La filleule, elle doit suivre les formations, donc elle doit être très motivée, ça c'est sûr, elle doit être patiente, elle doit être autonome, elle doit être organisée, constante, elle doit avoir des objectifs, hein, une nouvelle recrue, une filleule, chaque individu en fait chez Unique doit avoir des objectifs, elle doit être persévérante, elle doit être
positive. Il n'y a pas que la marraine qui doit être positive, les filleules aussi. Essayons de toujours voir le positif. Moi, j'ai déjà vu ça dans mon équipe et puis dans d'autres, les problèmes de quand on nous sort un produit qui nous inquiète. Ah, c'est nul! Ça, c'est pas positif. C'est pas positif. Du tout. Donc ça, en fait, il faudrait arriver à l'enlever de notre Unique parce que c'est des choses qui nous apportent du noir. On veut plus que des couleurs chez Unique. On veut voir la vie en couleur. Comme les happiness, on veut voir la vie en couleur. Et du coup, ça, c'est important. En tant que filleule, on doit accepter aussi de rentrer dans un positivisme de vie ou de... au niveau du développement de soi, arriver dans notre entreprise Unique à être positive et à essayer d'arrêter de voir les choses de façon noire ou à la française, quoi. Donc, on va, en tant que filleule, il faut être enseignable. Il faut être capable de tenir compte des conseils. Être enseignable, c'est pouvoir entendre un conseil et l'appliquer. Point. C'est pas facile. C'est pas forcément facile. Être enseignable, c'est entendre une formation, entendre des vérités. On travaille dans le marketing de réseau. Il y a des choses qu'on n'a pas inventées. Il y a des choses qui fonctionnent, on le sait. Et ces choses-là, on nous les enseigne. Et soit on va le suivre et le faire et ça va fonctionner, soit on va pas être enseignable, on va pas le faire et ça ne va pas fonctionner. Le fait d'être positive et toujours enjouée, c'est quelque chose qui fonctionne. Si vous êtes négative, toujours au bout du rouleau et toujours en train de vous plaindre, et que on vous dit ne fais pas ça, il faut être positive et enjouée, et que vous n'êtes pas enseignable et que vous dites moi j'en ai rien à foutre, j'ai toujours été comme ça, les gens m'ont toujours regardé, et ben finalement votre entreprise Unique ça ne va pas fonctionner parce que pour que ça fonctionne, il faut être positive et enjouée. Les gens n'ont pas envie de regarder quelqu'un qui est à bout et qui se plaint en permanence. Les gens aussi, les gens qui nous regardent, les femmes qui nous regardent, elles ont une vie, elles ont des problèmes. En fait, tout le monde a des problèmes et du coup, entendre quelqu'un qui parle de ses propres problèmes tout le temps, c'est juste insupportable. Donc, vraiment, dans l'entreprise Unique, il faut l'exclure. Ensuite, en tant que filleule, on doit avoir la soif d'apprendre. Forcément, moi j'ai la soif d'apprendre. Chez Unique, j'apprends tous les jours des choses sur les produits, des choses sur les techniques de management, des choses sur les techniques de formation, des choses sur les techniques de vente. Des choses sur tout, en fait, c'est hyper complet, c'est hyper intéressant. Et quand on est une filleule, on doit aussi y croire. Si on décide de se lancer chez Unique, c'est qu'on veut réussir et qu'on y croit. Et quand on y croit, eh ben ça marche. Parce que quand on y croit, ben, on est constante, on est motivée, on est persévérante, on est patiente. Être persévérante, être constante, constante, ça veut pas dire que vous êtes obligée de passer 8 heures par jour sur votre Unique. Constante, c'est une régularité dans votre travail. Si vous avez peu de temps à accorder à Unique, vous pouvez avoir très peu de temps à accorder à Unique, mais être régulière dans votre travail et vous allez pouvoir fidéliser vos clientes grâce à votre régularité et avec la persévérance, vous allez grimper chez Unique sans être obligé de passer 8 ou 9 heures par jour sur votre Unique. Et c'est ça qui est important. Moi, j'ai des filles dans mon équipe, hein, qui se surnomment les diesels, elles y vont lentement mais sûrement, et c'est des filles qui avancent, qui avancent, même si leur objectif n'est pas de foncer et d'atteindre le sommet en 3 jours, et ben c'est des filles qui avancent comme ça depuis toujours, quoi. Et finalement, ben, on va atteindre le sommet avant celles qui foncent et qui retombent. Ce qui compte, c'est pas d'aller au plus vite tout de suite. Ce qui compte, c'est pas de mettre 2000 balles de son salaire dans son Unique pour avoir son rose en 15 jours. Ce qui compte, c'est de construire. Pour construire une entreprise, il faut être constant et persévérant. Il y a des filles qui vont aller très vite, il y a des filles qui vont aller moyennement vite, il y a des filles qui vont aller lentement et d'autres même très lentement. Et celles qui vont arriver au bout, c'est celles qui vont persévérer. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller très vite, moins vite, ou en fait, c'est la persévérance qui va payer. Et le positivisme aussi. Ensuite, donc, j'en reviens à la marraine. La marraine, elle doit aider sa filleule à trouver son pourquoi. Pourquoi je fais Unique? Qu'est-ce que ça m'apporte? On n'a pas forcément
un pourquoi phénoménal, ça c'est pas grave. Mais finalement, au fond, il y a forcément quelque chose qui fait qu'on fait unique. C'est pas forcément un truc à faire pleurer dans les chaumières, c'est pas forcément un truc abominable. Son pourquoi, c'est pour pourquoi je fais unique. Pourquoi je fais unique? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'a attiré et pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui? En deux mots, moi je peux dire, en fait ma vie, c'est ce que je vous ai dit, moi j'ai été vraiment, vraiment noire, 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 très noire, très, très noire en moi. Et pourtant j'étais la même personne, mais il y avait trop de noir dans mon cœur, trop de noir. Et unique, ça me permet d'enlever tout ce noir et de voir tout en couleur. Pourtant la vie est la même et les problèmes sont là, mais ma vision des choses change et unique, ça m'apporte de la couleur et ça m'apporte du positif dans ma vie. Quand je fais un live alors que je viens de me disputer avec mon mari, c'est un exemple, ou que mes enfants viennent de me faire un coup horrible et que je suis à bout de nerfs, moi je suis nerveuse, je suis une dynamique, voilà. Et ben si je suis à bout de nerfs, je vais prendre sur moi et je vais venir faire mon live, et dans mon live, je vais arriver à lâcher prise et être positive et enjouée. Et qu'est-ce que ça va faire sur moi? Eh ben, ça va me détendre énormément. Et quand mon live va être fini, au lieu de repartir à la charge après mon mec ou mes gamins, à bout de nerfs, ben, ce sera fini. J'aurai réussi à évacuer tout le négatif. Et grâce à Unique, ben, je suis beaucoup plus positive, quoi. Voilà. Donc, chaque marraine doit aider chaque filleule à déterminer son pourquoi et à se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs. Un objectif, c'est pas un objectif, je veux être black. On veut toutes être black. Moi, c'est mon objectif, hein. Être black et me faire 15 000 balles par mois. Mais cet objectif-là, c'est long de l'atteindre. Donc si j'avais que cet objectif, j'aurais peut-être laissé tomber depuis longtemps. Parce que franchement, je suis très loin des 15 000 balles par mois avec Unique. Mais quand je me fixe des petits objectifs, mon objectif, c'est de gagner le miroir. J'ai gagné mon miroir. Mon objectif, c'est de gagner la mallette. J'ai gagné la mallette. Mon objectif, c'est d'avoir les charmes. Alors là, j'ai reçu, je pensais qu'on aurait le socle. J'ai reçu le premier charme parce que j'ai fait 3 cudos et une filleule. Mon objectif, c'est d'avoir les 3. Je veux gagner le charme. Au fond, un charme, on s'en fout. Mais moi, mes charmes, pour moi, c'est très, très, très important. Je veux absolument tous mes charmes. Et ça, c'est mes objectifs que je me fixe. Et c'est des petits objectifs. Mon objectif, c'est... Ce serait de revalider mon verre chaque mois et pour pouvoir prendre le petit déjeuner avec Derek à l'Empower You de Bordeaux. Voilà, les objectifs, c'est... Mon objectif, là, depuis janvier, c'était d'avoir mon voyage à Cancun. Oh, je l'ai. Voilà. En fait, on se fixe des objectifs qui sont réalisables. Et ça, votre marraine, elle est là pour vous aider à les fixer. Il faut voir en grand. Mais avant de voir en grand, ou il faut voir en grand, mais en plus de voir en grand, il faut choisir des petits objectifs et monter les marches les unes après les autres. Et en montant les marches les unes après les autres, votre marraine, elle sera là pour vous féliciter, pour vous encourager à chaque marche. Et ça, ça va marcher et ça va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs. Pour en revenir à la marraine, une marraine, quand elle recrute une filleule, elle a des devoirs. Elle doit souhaiter la bienvenue à sa marraine. La bienvenue sur le cercle. Donc, elle l'ajoute dans son équipe, dans son cercle, la marraine. Ou dans le groupe de cercle dont elle dépend. Le groupe de cercle dont elle dépend. Donc, une fille de mon équipe qui n'est pas encore leader, elle n'a pas de groupe de cercle. Donc, elle va ajouter sa filleule dans mon groupe à moi, puisque je suis la leader, leur leader. Donc, le groupe Les Beautiful. On ajoute et on ajoute notre filleule chez les Beautiful, pour mon équipe à moi, donc dans le groupe de cercle, et sur la team. Et on fait une publication, c'est très important, une affichette où on dit bonjour, bienvenue, salut Jenny, bienvenue à ma nouvelle filleule, etc. C'est très important. Et nous, notre rôle en tant qu'équipe, sur la team, c'est de toutes aller mettre un bienvenue, bravo, bienvenue parmi nous, etc. C'est très important de fêter ensemble l'arrivée de chaque nouvelle présentatrice unique. Ça, c'est très important. Notre rôle en tant que marraine, c'est de mettre en place des rendez-vous téléphoniques avec nos filleules. Alors moi, pour l'instant, c'est pas encore le cas, je vais le faire. C'est une bonne technique pour garder un lien. Les équipes, elles grossissent.
prendre un système de rendez-vous téléphonique pour régulièrement refaire un point plus direct, plus personnalisé avec chacune de vos filleules. Le rôle de la marraine, c'est d'être aux événements, d'organiser même des événements de rencontres avec vos filleules. C'est pas toujours simple, il faut essayer au maximum de pouvoir se rencontrer, et ça c'est important pour la cohésion d'équipe. Le rôle de la marraine, c'est de faire des formations en live, comme je suis en train de vous faire là, et de motivation. Le rôle de la marraine, ce serait par exemple de créer des groupes de travail à thème, de motiver les équipes et de les stimuler et d'écouter aussi leurs idées. Le rôle de la marraine, c'est vraiment de mettre en place des choses dans son cercle, pour son équipe, pour que chacune individuellement puisse s'en nourrir et progresser. Le rôle d'une marraine aussi, c'est de créer des concours, des challenges pour garder une dynamique dans son cercle et dans son équipe. Et puis, surtout, de féliciter dans chaque étape de chez Unique et d'encourager sa filleule. Voilà. Donc, Unique, you kiff Unique. Voilà, la marraine, elle doit encourager, élever, c'est quoi déjà? Mince! Élever, encourager et valoriser sa filleule. Élever, encourager et valoriser. Et ça, c'est la devise de Unique, et ça doit être notre devise à chacune en tant que marraine pour chacune de nos filleules. Voilà les filles, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était cette petite formation que je voulais vous faire. J'espère que ça va vous servir et j'espère que ça vous a intéressé. C'est un sujet qui est très vaste et qu'on peut aborder de plein de façons. Moi, ce que je voulais, c'était plutôt orienté sur quelles sont les compétences qu'on doit développer ou quelles sont les choses qu'on doit faire en tant que marraine ou en tant que filleule. Voilà les filles. Donc, je pense pas que vous ayez spécialement de questions à poser après un truc comme ça, mais si vous voulez, je peux rester quelques secondes. Sinon, je vous laisse et puis vous mettez vos commentaires là-dessous. Moi, je répondrai plus tard. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je vous fais un très gros bisou, les timettes et le timeut. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.